À la fin de sa première saison d'existence et de travail officiel, la patrouille de Saint-Yan reprend l'air pour poursuivre un entraînement quotidien, prélude au grand meeting de l'an prochain. Quatre moniteurs de l'École nationale de Saint-Yan effectuent ainsi chaque jour à bord des stamps du centre les figures de voltige de groupe qui sont pour eux à la fois une étude de présentation et un délassement de pilotes chevronnés. Un imperceptible battement d'aile du chef de patrouille et la figure se déclenche. La Terre tourne autour des appareils qui volent maintenant sur le dos. Curieuse sensation qui ferait facilement perdre le sens des verticales sans un entraînement sérieux. Une patrouille de voltige parfaitement habituée à voir la Terre et le ciel tourner sans cesse autour d'elle. Privilège dont le public, lui, est le plus souvent privé.